Un diagramme de Pareto vous permet de visualiser en un coup d'œil les causes qui agissent favorablement ou non sur un résultat. Alors, par exemple, si je souhaite gérer au mieux mes stocks, je vais me consacrer ou me concentrer en priorité sur les articles les plus représentatifs agissant sur mes ventes. Je vais donc me consacrer sur 20% de mes stocks représentant 80% de mes ventes. La méthode dite aussi 20-80 est bien sûr approximative. Nous allons bien sûr prendre un exemple concret consistant à importer à l'aide de Power Query, pardon, une base externe à Excel. Donc en l'occurrence, je vais moi prendre une table Access hein, représentant mes ventes journalières. Mais avant cela, je vous propose un petit historique sur l'inventeur du principe de Pareto. Vilfredo Pareto est un économiste et sociologue italien. Il est resté célèbre pour son étude de la répartition des impôts au milieu du 19e siècle en Italie, qui a révélé que 20% des contribuables payaient 80% de la recette des impôts. Il en déduisit que 80% des richesses du pays étaient détenues par 20% de la population. Alors, ce ratio, appelé aussi méthode 20-80, se vérifie dans bien d'autres domaines. C'est pour ça qu'on parle de principe de Pareto. Alors, la loi Pareto, appelée aussi principe de Pareto ou encore règle des 20-80, est un phénomène empirique révélant que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Si je prends par exemple 20% des stocks dans une société représentant 80% des ventes, ben, afin d'optimiser mon temps et mon argent, hein, si je puis dire, il est donc souhaitable de se consacrer en priorité sur ces 20% de stocks. J'ai donc à ma disposition une table Access représentant mes ventes journalières par produit. Donc j'ai plusieurs produits, P1, P2, etc. Je crois que ça va jusqu'à P5 ou même P11, P11, ok. Donc dans un premier temps, je vais exporter cette base via Excel. Donc je vais fermer cette table Access. Je vais donc ouvrir un fichier Excel. Alors, je vous rappelle que je travaille sur la version 2016, donc Power Query est incorporé dans Excel. Donc, je vais aller donc dans Données et ici, je vais aller chercher le fichier Access en passant par Obtenir des données, ici, à partir d'une base de données et à partir d'une base de données Microsoft Access. Donc, je vais aller chercher ce fameux fichier que j'ai appelé, me semble-t-il, liste commande, qui est dans mon bureau. Donc bureau, alors je l'ai mis ici, me semble-t-il. Voilà, c'est cette table liste commande. Alors je fais une importation. Donc Excel va me rapatrier automatiquement ma table Access. Donc la connexion s'est établie. Donc je patiente un petit instant afin que Excel puisse rapatrier toutes ces données. Et comme on peut le voir, liste commande Access. Voilà qui est fait, donc la table est ici, donc je vais vérifier tout de même s'il n'y a pas des modifications à apporter. En effet, je pense que je vais apporter quelques modifications. Voilà, donc je peux voir que cette table, alors il y a une particularité, c'est que les données numériques, notamment, se trouvent à gauche de la cellule, non pas à droite. Pourquoi? En fait, si j'importe et je charge ces données, Excel ne va pas reconnaître ces données comme des chiffres, mais du texte. En effet, le séparateur de décimales, il y a un point et non pas une virgule, alors que mon système d'exploitation reconnaît les séparateurs de décimales avec des virgules. Donc je vais transformer ces données en cliquant sur Transformer les données. Donc j'attends un bref instant. Ce qui est fait, donc là je vais sélectionner la colonne où il y a les prix unitaires. Hein. Je vais donc aller dans l'onglet Accueil de Power Query. Ici, je vais cliquer dans le groupe Transformer, Remplacer les valeurs. Je vais attendre un petit instant. Et ici, je vais lui dire valeur à chercher, c'est des points. Et tu me les remplaces par des virgules. Je clique sur OK. Donc là, Excel m'a bien, Power Query m'a bien transformé mes virgules, mes points par des virgules, mais ce n'est pas suffisant. Les données se trouvent toujours à gauche. Donc je vais toujours aller dans le groupe Transformer et ici, type de données, non pas texte, mais nombre décimal. J'attends, voilà, et là, les données numériques se trouvent maintenant à droite. Donc Excel reconnaît bien
ces données comme des chiffres et non plus du texte. Deuxième transformation, là je constate que les dates commandes, il y a des dates et des heures. Moi ce que je souhaite, en sélectionnant date commande, la colonne date commande, je ne souhaite que des dates et non pas d'heures. Donc je vais ici dans type de données, date. Et à partir de là, je vais fermer et charger mon fichier. J'attends donc un bref instant que Excel rapatrie ces fichiers Power Query via une feuille Excel. Voilà qui est fait. Donc là, je me rends compte que j'ai oublié de rajouter une colonne qui est en fait le total des chiffres d'affaires par commande. En effet, je devrais avoir une colonne qui multiplie le prix unitaire par les quantités. Donc je vais éventuellement retourner dans Power Query en survolant cette donnée. Et ici, je vais aller dans Modifier. Donc Power Query va de nouveau s'activer. Je vais aller dans Ajouter une colonne et par la suite sélectionner Colonne personnalisée. Une boîte de dialogue apparaît, donc là je vais l'appeler Total chiffre d'affaires. Et ici, dans Formule, je vais sélectionner en cliquant deux fois Prix unitaire, multiplier avec l'étoile par les quantités. Donc là, Power Query me dit qu'aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Je clique sur OK. Donc une nouvelle colonne va apparaître. Voilà. Et je vais aller dans Accueil et ici fermer et charger. Excel, la feuille Excel va être réactualisée avec la nouvelle colonne que je viens de créer. Voilà qui est fait. Je vais à présent créer un tableau croisidynamique en allant dans Insertion et ici Tableau croisidynamique. Une nouvelle feuille apparaît. Je vais créer mon tableau croisidynamique dans une nouvelle feuille. Je clique sur OK. Là, je vais choisir Produit. Je vais le mettre, pourquoi pas, en ligne. Par la suite, je vais prendre le total du chiffre d'affaires. Alors, première règle à respecter lorsque l'on veut construire un diagramme de Pareto. Donc, avant cela, je vais enlever cette boîte de dialogue, je vais devoir faire un tri du chiffre d'affaires par ordre décroissant. Donc pour ce faire, je vais sélectionner n'importe quelle valeur. Ici, je l'ai dans Données et ici, trier du plus grand au plus petit. Je clique sur OK. Voilà qui est fait. Donc les valeurs vont du plus grand au plus petit. Je vais donner, pourquoi pas, une forme monétaire. Donc je vais cliquer droit. Paramètres des champs de valeur, et ici, format de nombre monétaire, sans aucune décimale. Je clique sur OK de nouveau. Autre paramètre important, je vais devoir rajouter une colonne qui va me récapituler, les ces montants en cumulé, mais je vais les transformer en pourcentage. Alors comment faire? Je vais prendre total hors taxe, rajouter de nouveau dans valeur, j'ai bien sûr la même chose pour l'instant. Je vais par la suite cliquer sur total hors taxe, ici le deuxième que je viens d'incrémenter, paramètres des champs de valeur, aller dans afficher les valeurs et ici choisir, je vais le prendre, pourcentage du résultat dans produit. Je clique sur OK. Donc là à présent j'ai le montant cumulé, mais en pourcentage, c'est-à-dire 7810 représente 34% du total de toutes mes ventes. 7810 plus 4841 représente 52% de mon total, etc., etc., pour arriver jusqu'à 100%. Je vais bien sûr sélectionner tous ces pourcentages, aller dans Accueil, et je vais supprimer les chiffres après la virgule. Je vais les arrondir. Je vais à présent pouvoir construire mon diagramme de Pareto. Alors pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Insertion. Ici, je vais choisir dans le groupe graphique, ici dans les histogrammes, je vais choisir un histogramme combiné. Donc je vais aller dans Autres histogrammes et tout en bas, choisir Graphique combiné. Donc là,
Les valeurs représentées par les pourcentages, on le voit à peine, mais c'est ce trait orange. Je vais donc ici, somme des totales hors taxes acheter 2, je vais prendre la courbe et je vais cliquer sur OK. Donc je vais en profiter aussi, hein, je fais une pierre deux coups pour changer les titres, hein, qui ne sont pas très parlants. Donc somme totale hors taxes 2, je vais l'appeler plutôt pourcentage cumulé. Et ici, je vais aller enlever somme 2. Je fais supprimer et entrer. Voilà qui est fait. Donc je vais bien sûr agrandir mon graphique combiné. Donc là, cette légende, je n'en ai pas besoin. Je vais camoufler cette boîte de dialogue. Voilà ce qui est fait. Alors ici, je vais rajouter des étiquettes de données. Donc je sélectionne la courbe. Ici, je vais cliquer sur plus. Et là, étiquette de données. Et je vais mettre les valeurs au-dessus. Je vais bien sûr sélectionner ces valeurs, les agrandir un petit peu, les mettre en gras. Je vais aussi, pourquoi pas, rajouter un titre. Cliquer sur titre et ici, je vais l'appeler diagramme de Pareto. Voilà ce qui est fait. Éventuellement, je pourrais customiser un petit peu mieux mon graphique en sélectionnant ce graphique, en allant dans Création et choisir un graphique type tel que celui-ci, pourquoi pas. Alors, que représente ce graphique, ce diagramme de Pareto? Eh bien, si je devais concentrer un travail sur mon stock, eh bien, je me concentrerai dans un premier temps sur les articles qui donnent le plus de valeur à mes ventes, c'est-à-dire le produit P5, P1, P11, P3 et pourquoi pas P9. En effet, jusqu'à P9, cela représente 80% de mes volumes de vente. Voilà ce que cela veut dire. Alors là, par exemple, le P5 représente 34% de tout mon volume. Donc si je vais quand même vérifier que en actualisant mes données, je vais prendre de nouveau ma table Access, je vais rajouter une donnée, par exemple, pourquoi pas 06 10 2016. Là, je vais prendre n'importe quel client, ça n'a aucune incidence sur mon graphique. Donc, commande VDE 047. Donc, je vais prendre le P5, qui est l'article qui pèse le plus dans mon business. Donc, la valeur de cet article est de 5 euros et je vais mettre 5 000 quantités. Donc, je vais fermer ce fichier Access et ici, je vais aller dans Données. Je vais bien sûr actualiser mes données en cliquant droit, actualiser. J'attends que Excel rapatrie toutes les éventuelles nouvelles données. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Voilà, apparemment, ma donnée nouvelle que je viens de créer a été incrémentée. Je vais tout même vérifier. Voilà, ici, voilà, 6-10, les 5 000 apparaissent bien ici, donc ce qui me fait 25 000 de chiffre d'affaires. Je vais donc aller dans mon diagramme de Pareto. Je vais actualiser mon TCD en cliquant sur le TCD, clic en droit, et ici, actualiser. Donc là, comme nous pouvons le constater, de 34%, le produit P5, je suis passé à 68%. J'espère que ce tutoriel sur le diagramme de Pareto vous a plu. Nous avons bien sûr vu que nous pouvions importer une donnée externe à Excel. Là, en l'occurrence, dans mon exemple, ça a été une table Access. Nous avons vu aussi l'utilité de créer un diagramme de Pareto, ce qui en fait signifie que nous devons concentrer nos efforts sur 20% d'un certain volume représentant pratiquement, ou voire même plus, 80% du chiffre d'affaires. Donc moi, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir.